Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlogmas. Donc là nous sommes le samedi 22 décembre, il est genre 17h passé. Donc ce matin on s'est réveillé tranquillement, vers 11h, un truc comme ça, Lies est venu ici donc à U pour nous prendre un petit déjeuner, viennoiserie, tout ça, tout ça. Et la voiture a refusé de repartir. Donc là on avait rendez-vous avec le dépanneur à 16h, je rigole mais c'est pas drôle. Hein. Et en fait on a eu un coup de téléphone parce que la dépanneuse, elle est tombée en panne. Les gros poissards. Donc la dépanneuse est tombée en panne et on a demandé une voiture de prêt avec l'assurance. Sauf qu'en fait, ils nous proposent une voiture de place. Donc je sais pas où ils pensent qu'on va mettre les enfants, mais bon. Donc là, on attend désespérément la dépanneuse. Donc autant vous dire que l'IS est au taquet. Arrête de rire. Et en plus, il s'est garé super mal. En fait, il s'est garé face à un poteau. Donc faut qu'on trouve un moyen pour reculer la voiture. Mais à nous deux, franchement, c'est pas gagné. Si, elle reculera. Mais elle va reculer dans quoi, là, exactement? Il y a plein de voitures. Parce qu'il y a des voitures derrière. Oui, bah, on va attendre le dépanneur. Mais là, non, franchement, ça fait plus d'une heure qu'on attend. Du coup, je suis passée à U faire 2-3 courses. Je me suis occupée comme j'ai pu. J'ai trouvé des trucs super sympas. Des bons plans magazine. J'ai mis mon pull de Noël licorne. Ça se trouve, c'est lui qui nous a porté la poisse, tu crois? Non, et il a un petit pompon quelque part, là. Hop, un petit pompon. Trop sympa. Donc voilà, donc on attend la dépanneuse. Bon, on vient d'avoir un coup de fil du dépanneur. Donc, Lies est parti se positionner à l'entrée du parking pour essayer de le choper rapidement. En espérant que l'assurance nous rappelle rapidement aussi pour nous dire qu'elle a trouvé une voiture qui correspond à nos attentes. Bon, au pire des cas, j'ai ma soeur qui peut nous prêter une voiture. Il y a un ami de Lies qui peut nous prêter une voiture aussi. Mais bon, c'est un peu chiant. Non, mais depuis que je suis avec Lies, il n'y a pas une journée où il ne nous arrive pas un truc. Donc, c'est pas forcément des trucs graves, hein, mais il n'y a pas une journée qui se passe normalement. C'est un truc de fou. Donc voilà, donc là on attend. Heureusement il y a Kisha qui a pu surveiller ses petits frères parce que ça fait au moins, ouais je vous dis, plus d'une heure qu'on attend devant le magasin U et je commence vraiment à avoir un peu froid là. En plus surtout qu'il commence à pleuvoir donc je pense qu'on va rentrer sous la flotte. Heureusement c'est à 10 minutes de mon appartement. Bah si, je te filme. Donc là Lies vient de revenir me voir pour me dire que ils ont trouvé une voiture. Par contre il y a un taxi qui arrive pour nous prendre d'ici 20 minutes parce qu'il faut qu'on aille jusqu'à Bonneuil, je sais pas quoi. Le trou du cul du monde. Et le dépanneur, bah je sais pas où il est cet abruti. Non mais franchement, la soirée toute pourrie. Faut absolument que j'appelle Kisha pour lui dire que tout va bien. Je me suis même pas coiffée. Donc là il est 18h15, donc je suis rentrée à la maison parce que j'ai été frigorifiée et que le dépanneur est finalement arrivé. Donc finalement on a rappelé l'assurance puisque le dépanneur nous a dit qu'il était astreinte et qu'il avait des véhicules qui correspondaient à nos attentes. Du coup on a négocié et finalement l'IS est parti avec la dépanneuse, sa voiture et le monsieur en fait pour récupérer du coup une voiture finalement pas trop loin de la maison, donc ce qui nous arrange puisque pour la ramener forcément il faudra deux conducteurs. Donc je vous disais, chez U j'en ai profité pour faire quelques achats, donc j'ai pris un litre de jus d'orange frais comme ceci puisque j'avais soif. Je me suis pris une tablette de nougat Motta mais j'ai déjà bouffé au moins la moitié. Forcément, il fallait passer le temps. Et je vous disais en bon plan, donc j'ai trouvé le Dop comme ceci, caramel à l'ancienne, qui passait à 2€. Donc le prix d'un flacon 250 ml, sauf que c'est un 500 ml. En promo aussi, il y avait dans la même chose à 2€, le parfum Dragibus. Donc ça vaut grave le coup hein, pour le double de produit. Et pour finir, j'ai pris 4 quarts au citron. En fait, j'ai pris les 3 qui étaient disponibles en promo. 2€ chaque, ça vaut le coup parce que, comme je vous disais, sinon c'est 2€ pour 250 ml. Ensuite, j'ai eu envie de tester ça, donc de la marque U. C'est à appliquer après le gel douche, mais c'est à rincer normalement. Ouais, c'est à rincer pour les peaux sèches. À la noix de coco, ils sont super bons. Du coup, j'ai pris ça. J'ai repris des lingettes pour les WC, en fait, pour les garçons, ou même pour nous si on veut, mais c'est surtout pour les garçons. On s'est pris une tablette de chocolat Milka comme ceci, je voulais la grande mais il n'y avait pas, du coup j'ai pris une moyenne. Pour Kisha, Lies a repris deux riz Oncle Ben's comme ceci, riz basmati parce qu'apparemment il les trouve qu'à U. Pour mon beau-père, pour Noël, je peux vous montrer parce que de toute façon il ne regarde pas mes vidéos. J'ai trouvé ce lot de briquets Johnny Hallyday puisque c'est un très très grand fan. Au lieu d'être à 6,99€, il passait à 4,50€, un truc comme ça, pour 5 briquets, je crois qu'il y en a dedans. Combien de briquets là-dedans? Ouais, 5 briquets. Donc je me suis dit que ça lui ferait un petit plus plutôt sympa. Ensuite, j'ai pris des yaourts qui me tentaient trop. C'était 1,20€ les yaourts, donc c'était pas donné, mais 5 achetés, 1 offert, j'avais trop envie de tester.
Donc j'ai pris comme ça myrtille, ça me donne trop envie. Donc j'ai pris un myrtille, je vais aller mettre ça au frais. J'ai pris un noix de coco, évidemment. Ouh là, ça coule ça. Il faut vraiment que je le mette au frigo dessus, par terre. Ensuite, un mirabelle, donc à la prune, je vais aller mettre ça au frigo. Ensuite, Lies a voulu tester noisette, donc il a pris noisette, donc ça fait 4. J'ai pris aussi un banane qui me tentait bien. Et pour Kisha, je lui ai pris Mirabelle. Ah bah, je lui ai pris Myrtille pour Kisha, pardon. Mirabelle, je me suis dit qu'elle aime bien la Myrtille. Et ensuite, en bon plan magazine, j'en ai pris 2. Hop, c'est avec le magazine Gradia. Non, c'est Dior qui a collection du. Ouais, du. Dior qui a collection, je vais sortir ça dessus et je vais mettre ça à la poubelle. Donc avec le magazine Gradia comme ceci, donc ça faisait 3 euros magazine plus produit. En fait, il y avait une crème pour les mains Rituals, donc a priori il y avait 3 parfums au choix. Moi j'en ai trouvé qu'un seul parfum et moi j'ai pris donc du coup celui qu'il y avait. Ritual of Sakura, Cherry Blossom et donc fleur de cerisier et excusez-moi, je m'étouffe. Ça m'a épuisé ce truc-là. Et rice milk, donc lait de riz, a priori. Je ne sais pas s'il marque le prix de la crème leçon pour les mains, disponible au prix de 8 euros. Donc ça vaut plutôt le coup. Ah, les deux autres produits, c'est peut-être des trucs différents. Il y a gommage et baume pour les mains. Donc en fait, il y avait gommage, baume pour les mains ou la crème pour les mains. Ah ouais, on les a ici. Le baume, donc c'était en rouge. Le gommage. Ah, j'aurais bien testé le gommage aussi, mais il n'y avait pas. Gommage. Et là, ici, vous avez donc la lotion pour les mains. Mais tout est pour les mains. Donc voilà, j'ai trouvé ça cool. Les garçons sont là-bas, c'est pour ça que ça crie. Et aussi une mousse de douche offerte, voire condition recto. Ah ouais, il y a des offres. Bon, je vais regarder tout ça. Mais en tout cas, je trouvais ça sympa. 3 euros une crème pour les mains, magazine inclus. Donc du coup, j'en ai pris 2. Parce que moi, pour les crèmes pour les mains, j'en consomme beaucoup. J'ai les mains toujours très sèches. Kisha, du coup, a emmené les yaourts au frigo. Je vais ranger donc tout ça. On met dans la salle des bains les produits pour la douche. Ça, je vous en reparlerai du coup, puisque ça a l'air vraiment sympa. Je vais ranger et je vais attendre que Liès revienne, donc avec la voiture de location. Finalement, ça se termine pas trop mal. Enfin, je serai contente quand on sera rentré à la maison avec cette fameuse voiture de location. Bon, je vais essayer de clôturer ce vlogmas si j'y arrive, puisqu'en fait, l'IS a sorti les nerfs, donc ils sont en train de se tirer dessus. Donc, autant vous dire que ça crie pas mal. Du coup, je vais ouvrir la case de mon calendrier d'avant. Enfin, je vais même pas l'ouvrir, puisque Swan me l'a ouverte ce matin. Heureusement, il n'a pas touché à 23 et 24. Et donc, c'est le. Arrête! Et donc, c'est le lapin de Alice au Pays des Merveilles, comme ceci. Et Kisha, dans son calendrier de l'Avent, elle a eu un X lingerie et elle a eu le Deep Rooted qui est en marron en fait, comme ceci. Hop, donc ils ont. En fait, ce soir, on a remangé la tête. Maman, je suis la petite crotte. Yes, t'appelles petite crotte. Voilà, un marron. Ne crie pas ça parce que ça est horrible sinon. Donc on a remangé raclette parce que les garçons voulaient manger raclette et ils ont regardé Beethoven 1 mais ils sont absolument pas fatigués, ils sont très excités. Donc je pense qu'ils vont regarder Beethoven 2 et en espérant qu'après ils aillent se coucher. Parce que demain au début d'après-midi on va récupérer Johan. Qu'est-ce qu'ils ont sorti encore? Et que normalement le Père Noël devrait passer chez nous donc dans la nuit de dimanche à lundi. Donc je pense que lundi matin ils vont se réveiller très très tôt. Voilà, si on liait ça à récupérer la voiture de location, c'est quoi qu'ils t'ont donné comme voiture déjà? Un Renault Captur. Un Renault Captur, il est ravi. Lui qui disait il y a quelques jours qu'il voulait pas de monospace, et ben moi il va tester un monospace. Donc il y a un match ce soir PSG, je sais pas quoi. Nantes. PSG Nantes, d'ailleurs il tourne. Après avoir bien excité les garçons. Super, on est très content pour toi. Après avoir bien excité les garçons avec les nerfs. Bon, je vais vous laisser et on se retrouve demain pour un nouveau Vlogmas. Ciao!